Yo les gens, yo les potos, c'est Boubidia Bayem, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là où je vais vous parler d'une série qui a été supprimée Netflix au bout d'un mois, car la série est restée sur Netflix que un mois, car cette série n'était pas à tout âge. C'est une série un peu bizarre, un peu dégueulasse, mais encore plus bizarre. Du coup, je vais vous parler de cette série. Alors, la série, elle s'appelle Beautiful Organ. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Beautiful Organ. C'est une série un peu bizarre, car ça parle de monstres qui mangent des organes, comme les monstres, ça ressemble. C'est des monstres chiens ou quoi? Ils mangent des organes. C'est ça qui est bizarre. Alors, je vous redonne le nom de la série, c'est Beautiful Organ. Vous pouvez, il n'y a pas trop d'images sur internet, j'ai regardé. Bref, la série, je vous le déconseille, ne regardez pas ça sur YouTube. Mais ça a été supprimé Netflix au bout d'un mois et ça ne va plus jamais réapparaître, c'est sûr et certain. Voilà, alors on va vous parler de cette série, du coup. C'est parti. Alors, très peu de gens ont vu cette série Beautiful Organ. Très peu. Il y a eu juste quelques personnes qui ont eu la chance de pas la chance, pardon. Ils sont tombés sur cette série. Du coup, ils ont regardé cette série bizarre. Du coup, je vais un peu vous parler de cette série Beautiful Organ. Comme je vous le dis, c'est une série qui parle de monstres affamés qui mangent des organes, en fait. Des organes d'humains. C'est des monstres, voilà. Ça passe une série sur les monstres. Voilà. Du coup, je vous le déconseille de regarder des clips sur YouTube qui en parlent. Car cette série risque de faire peur. Car c'est une série pas appropriée à tout âge. Du coup, je vous déconseille de regarder Beautiful Organ. Bref. C'était la fin de la vidéo. C'était pour les abonnés. Mais vous pouvez lâcher le pouce bleu. Être abonné. Et juste avant, n'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires vos story team. Les story team, et ben c'est des histoires un peu flippantes. Envoyez vos vraies story team flippantes dans les commentaires. Sinon, c'était Boobie the Bug Gaming et ciao tout le monde.